C'est fini, il n'y a plus d'espoir entre eux. Elle le sait, quand on aime une personne qui est hantée par son passé, l'avenir est risqué. Elle s'est déjà attachée, lui a donné plusieurs années. Elle n'arrive pas à le laisser. Pour elle, il est sa vie, il voit bien qu'elle est unie et qu'elle serait une épouse fantastique. Mais c'est avec une autre femme qu'autrefois il a eu la chimie. Oh, oh, elle devrait abandonner, il ne faut pas forcer. Est inutile, tous ses échecs l'ont rendu fragile. Elle se dit qu'elle doit être incapable de focaliser un homme sur elle. Vu qu'elle n'est plus toute jeune, elle flippe. Mais c'est à une liane cassée qu'elle s'agrippe. Dès qu'il la regarde, elle kiffe. Elle prend ce qu'il y a à prendre. Elle profite de l'instant. Oh, oh, elle devrait abandonner. Il ne faut pas forcer. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Son cœur est déjà occupé. C'est vrai que c'est dur d'aimer sans réciprocité. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Son cœur est déjà occupé. Elle devrait abandonner. Il ne faut pas forcer. Les rôles seront inversés, qui pourra la supporter? À son tour, elle aura trop de passé. Son cœur est infecté, elle pense être coupable. D'avoir tout fait foirer, elle se met dans des états minables. Elle se sent indésirable et la terre tourne petite. Et ton prince arrivera très vite. Donc n'aie crainte, ne panique pas cette histoire, beaucoup la pratique. Oh, oh, tu mérites ta part de bonheur et il se trouve ailleurs. Ta vie sera meilleure si tu vins tes peurs. Oh, si tu vins tes peurs. Oh, oh, oh.